qui, à peine sorti, commence déjà à faire quelques remous. Une autobiographie qui ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je m'attaque à des propagandistes, des idéologues en vogue, comme par exemple Michel Onfray. Michel Onfray a droit à quelques articles que j'ai du mal à faire paraître à son sujet. Et d'autre part, le livre critique les pratiques mandarinales dans la formation des maîtres. Le titre « Vivre ou philosopher », c'est-à-dire affirmer ses convictions quand on est prof de philo, eh bien, amène quelques conflits dans la vie professionnelle. Mais le livre n'est pas uniquement négatif, il fait aussi des propositions concernant une pédagogie de l'humour. Et je reprends ici sous forme synthétique les propositions qui existaient dans mes différents bouquins précédents. Donc, vivre et ou philosopher dans la collection que je dirige au Petit Pavé. Vous pouvez vous le procurer dans les bonnes librairies.